l'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de 20 fusils. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté. Tu viens de quelle tribu? Qu'est-ce que t'es dit? Tu t'appelleras qu'est-ce que t'es dit? Après 7 ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Ou bien il est parti. C'est-à-dire que mon père était un colonisé qui s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser. Le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire « il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture », on dit « traversa l'autoroute, crasato automobile ». T'es sûr que t'es compris les français, toi? De l'eau, du pain, du travail. Ah non, pas du travail. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Une lettre de menace, je me suis menacé, je me suis dit tout ce que je ne me suis pas dit depuis que je suis né. Les barbus sont vos hommes. Oui, ils portent des postiches pour infiltrer les terroristes. Et les autres sont de vrais barbus. Non, les autres, je les ai vus, ils ne portent pas de barbe. Oui, ils se rasent pour nous infiltrer. Ce qui m'avait frappé en arrivant, c'est que votre pays ressemble aux souvenirs d'enfance que j'ai gardés de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, finalement, la France, c'est une Algérie française qui a réussi.